Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 22 de Baldur's Gate. On se retrouve, nous, après une longue pause, vous, après une pause d'une semaine, 3 jours. Donc on redébarque, on reprend, on se réchauffe, c'est le cas de le dire, vu l'atmosphère. Et on dit bonjour tout le monde. Salut, Bonjour tout le monde. On est toujours avec Arda, Ouais. Urmec et Atemir. Ouais. Voilà. Et Maintenant, donc on on peut parler à s'apprêtait à faire Gale. un long repos. Non, on parlait à Gale. Tu parlais avec Gale? Bah vas-y, parle avec Gale. Et personne n'a jamais lancé la balle sur le chien pour le tuer. Personne. Non, 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 il était enragé. Ah, il doit absorber de l'énergie. Ah, tu veux des trucs de merde, j'en ai plein. Tiens, je t'envoie Bon, attends, un collier pourri. Voilà. Un collier pourri. Non, mais genre, j'ai 6 bagues, 4 Le paires de collier de gants, détection des genre. pensées? Mais attends, Non, bah, non, si c'est plus utile. Bah, le truc, c'est que c'est des trucs. Ah non, c'est le C'est des souffle de bagues, foudre. genre. Ouais, souffle de foudre, c'était à chier. Allez hop, faire un don. C'est Je Arda, crois il en veut pas. que j'ai une robe de l'été avec une classe d'armure de 10 qui est toute pourrave. Et tu Ouais, peux aussi la ouais. filer à la Gale. Bah, Ah, moi, ça ouais, va. j'ai une armure, quand on est dans le noir, on fait des dégâts nécrotiques sinon. Une lumière. Après, si tu veux, j'ai foutu en bas de mon inventaire des choses si ça t'intéresse. Oh là là, mais pourquoi vous les mettez si bas? Bah, parce que comme ça, je sais où c'est. Je fais exactement la même chose. Voilà, Si il ça mange de la t'intéresse pas, magie. je le remets dans ma banque. Tra Ah, attends, je Foutu regarde. junkie. Non. Bah non, les dégâts de jet. Non, mais c'est vraiment de la merde, hein. C'est pour ça que Non, il y a rien d'intéressant. Bah attends, s'il y a que ça, attends. S'il y a que ça, on centralise sur, dans le coffre de quelqu'un, de la même personne, pour le mettre comme ça, on trouvera les objets si jamais on peut retourner dessus. Je t'ai foutu les objets que moi j'avais dans mon coffre perso du camp. Le casque là de Hatt et. Oula. Ah, d'accord, c'est tout rangé. Ouais, j'ai mis dans. Eh, ok. L'avantage, c'est que le coffre du camp, il est infini. Ah bon? I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. Oula, t'as mis une vraie barbe. Ah. Retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Voilà, c'est fait. Parfait, et bah au dodo tout le monde. Attends, Ah, mais il moi veut j'ai encore un reparler. point d'exclamation hein, sur sa tronche. Il a strange experience. Et encore faim? Oh. Ah non, c'est bon. Morphal le. Bon bah. Bah, je suis en train de lui parler. Ah bon? Bah oui, il y avait de nouveau un point d'exclamation. Bon, je prends un tonneau d'eau. Mais ça. Mais il a déjà dit tout ça. Blablabla. Je vais fourguer des tonneaux d'eau comme ça, on les bon, bah, voilà. balance pas. Ah! Bon, super, bah bon. On a fait dodo là? Non, non, va faire dodo. J'ai plein de bouffe aussi. Y a des gens qui parlent, mais d'accord que non. Bah non, je sais pas, mais... moi j'étais bon. Non, mais... non, non, mais parfois le soir. Ah oui, juste parce que c'est le soir. Select. Ça, on n'en veut pas. Est-ce qu'on prend les paris sur l'arrivée d'une séquence de rêve? Ouais. Oh, let's go! Il est trop mignon! Ah merde, c'est pour ah ça qu'il non, fallait il encore vient moi. encore me voir moi! Bah oui, c'est pour ça qu'il fallait moi qu'il lance. Alors, oh, c'est blessé! Non, je pense que. C'est moi qui ai lancé le long rest, donc c'est ouais. pas pourquoi c'est. Tu fais pas, on dirait un peu, hein. Oh oui, vas-y, sois nul. Qu'est-ce que t'as en plus? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Je soigne. Ah, tu soignes. Il va te manger la gueule, regarde là, il est en train de dire. Merde, je rate, j'ai fait 6, il fallait 10. Relance. Oh non! Inspiration. Ouais, vas-y, inspire. Putain, ouais, mais il est vraiment trop mignon. Bah oui, il est boubou. Ah, là ça va passer, je vais faire 11. Youpi! Oh, il est devant, mais qu'est-ce qu'il fait? The cub begins testing his weight on the leg. Oh, il recoule. C'est un hibou. Ah, il bourse.
Un ibours. Oh là là. Dompteur d'ourson. Tu as été inspiré. Moi je regardais de loin, tu sais, en train de curer le nez. Ah mais il est là, attends, je vais pouvoir lui parler. Putain, oh, ouais. C'est beau la nature. Tu peux aller lui parler. Par contre, vas-y, on n'a pas fait le long rest encore. Bah ouais. C'est pas grave, on va le faire après, on peut parler au... Il a dit, maison, on peut le caresser. Oui, vas-y, papouille. Friend, nice, no bite. Ouais, non, je pouvais éviter. Pourquoi c'est noir? Ils ont censuré les câlins du ibours. Salaud. Alors que c'était des câlins dans des petites plumes et du poil. Voilà. Oula, il se passe quelque chose de pas normal là dans... Bah, je sais pas, on fait juste... Ah mais vous êtes trop chelou, ouais. Vous êtes là en train de méditer. Ah ouais, mais ça, c'est les elfes, ils sont pas foutus de faire ça comme tout le monde. Bon, et bah finalement ça s'est bien passé, et il s'est rien passé de plus. Pourquoi on a le nain qui est fortement encombré? Parce que je prends les... Là j'ai 8 de force. Et là, paf, j'ai 21. Mais non, mais rassurez-vous, ça va bien passer. Tu m'avais dit que j'avais un cantrip de je ne sais quoi, mais Ouais, de vitesse. T'as genre grand pas ou grande foulée, un truc dans le genre, long strider. Ouais, mais je peux pas les changer, donc faut que je regarde. En français, ça se dit Aragorné. Dis-moi. Yes. Quoi? Oui, c'est faire comme Aragorn. C'est un nom qui s'appelle Grand Pas. Pseudonyme, c'est Grand Pas. Tu connais pas, t'es un nain, tu peux pas faire des grands pas. Oui, bon, redoutable, redoutable sur les courtes distances, tout ça. Bah, mec, Sprinter. Si tu balances ton sort, déjà j'irai un peu plus loin donc. Ouais, lancez-moi, je ne peux pas sauter si loin, lancez-moi. Ou alors là, par contre, toi tu me lances. On ne lance pas un nain. On ne lance pas un nain. J'ai déjà la technique pour te rappeler les bonnes manières. Arda, est-ce que t'es capable de faire des élixirs de soif de sang? En alchi là. Élixir de soif de sang, tu dis? Ouais. Ouais. Eh bah écoute, à l'occasion, si t'as des matériaux, je suis chaud que tu m'en passes un ou deux. Attends, j'ai de guidance si jamais. Et non, bien, mais il est pas. Il est 3. Bah super. Quoi? Il est pas transmute. De toute façon. Oui, mais c'est pas grave, faut. Ah! Non, mais il est pas le truc qui fait que ça en fait pas plus. Ouais. Du coup, faut aller dans quoi déjà? Bah, faut faire map et puis. Fais A touche H. Si t'as pas remind, normalement c'est H pour l'alchimie. Non, c'est moi, je veux juste sortir du camp. Bah, tu fais. Soit tu fais la carte et il y a marqué quitter le camp, soit tu cliques sur le camp ou tu peux quitter le camp aussi. Bien, et donc maintenant Leroy Jenkins sur la gueule du. Non, on va y aller en infiltration. On va se mettre sur la plateforme centrale et puis on va éviter d'attaquer un élémentaire de lave au milieu de ces champs de lave. Attendez, j'ai deux tonneaux. Est-ce que quelqu'un en veut un? Non. Et on va les garder pour pendant le combat. Donne, on sait jamais, vas-y, envoie-en. Franchement, on va les garder pendant le combat parce que, genre, se mettre les pieds dans l'eau, ça pourrait être sympa parce que je sens bien les grandes zones de flammes. Alors, moi, si je le mouille, parce que j'ai un sort pour créer de l'eau, je peux le mouiller et après, paf, je lui mets de l'électricité. Je vous rappelle que je vous ai quand même tous donné un élixir de résistance au feu de mémoire. Oui, mais. Oui, moi, mais... Non, mais. Un peu. Ah Est-ce que je voulais donner? Je ne sais pas, je ne crois pas. Non, mais de toute façon, moi, j'ai déjà bu un élixir, donc je peux pas en prendre. Ah ouais, bah moi tu vois, je vais boire un élixir de... De toute façon, dans tous les cas, je vais crever, alors... D'accord, maintenant de suite, quoi. Katox, je t'en envoie un. Ouais, vas-y. Hop, je te l'ai mis dans ton inventaire. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais ça. Alors, attendez. Je crois que je vais le boire maintenant, parce que du coup, ça... Ça m'évitera de me faire flamber, là-bas. Let's go, c'est maintenant, là. Go go go. Ah. Yes I. Allez. Je suis petit. T'as pas balancé ton sort de galopade. C'est à moi? Mais non, oui. Katox. Mais je l'ai pas vu que je l'ai pas activé en cantrip. Ah super. Oh lolo. Coffre en adamantium. Alors attendez, je veux bien Je lui guidance. Parce que faut faire 20, alors je vous avoue. On va lui mettre un coup de masse.
Ah. Hmm. 17, dommage. C'est de l'adamantium, je pense pas que t'aurais quelque chose. Ah, tu veux peut-être un... Oh, le gain. Non. Peut-être après, une... 22. C'est... Ah, réussi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Haro. Key Restoration. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Voilà, c'est pour ça, c'est un truc pour toi, ça. Ah, elle me parle. Oui, elle en me plus. Parle, l'amulette. Let's go. The amulet is heavy, but ah, tu vas aimer cet objet. Like it was left under the sun. Suddenly the metal surges with heat. Can thou endure? Elle a l'air complètement tarée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oh, c'est bon. Heureusement, c'est un avantage. Tu sais, moi le soin du Ursibou, je l'ai foiré hein, donc You observe the urge to laugh from afar. Letting it fade with each breath. Thou hast done well. For what is a laugh if not one step toward madness? Ça met les Joker son truc. Return me, take me home, and thou shalt glow with blessings. Perspicacité à la fin ou investigation. Prends l'amulette. Putain, il y a encore. Non, mais regardez-le, l'autre là, équipé l'amulette. Moi, ouais, calme-toi tout de suite. Hein. Ouais, ah, bah, j'ai ah, ouais, let's go. Sur un malentendu, il la porte. Inspiration bardique. Mais tu dois faire 10, te fous pas de ma gueule. Ah, ça va, tout à l'heure j'ai fait 1. Hein. Jamais... J'ai fait 1. tu vois, de justesse. Il sent le monk's fear and sincerity. He doesn't wish to harm you. But that doesn't mean he won't. Allez. Je te rassure, je vais la mettre à la fin. Ouais. Dirait Tasha un peu. Il a l'air complètement barré. Taré. I shall grant you my power. A ghost. I have sunlight on water. Je sais pas ce qu'il a fumé par contre. J'en veux. Visiblement, entre moines, ils s'aiment pas trop, hein, parce que s'il y a des disciples de Char qui l'ont défoncé... Bah Char, c'est des prêtres, c'est des clérics, c'est pas des moines. Ouais, ouais, mais tout ça, c'est de la religion. Bon bah, en avant, hein. Ouais. Ah, ça va devenir folk, maintenant. Pourquoi? Bon. Esprit hystérique. Ça veut dire quoi, c'est quoi esprit? L'esprit... Vous devrez serrer un jet de sauvegarde de sagesse chaque fois que vous faites appel au pouvoir de l'amulette sous peine de devenir hystérique. Super. Et c'est quoi, qu'est-ce qu'elle file l'amulette, je me pose. Non, l'amulette est cool par contre. Il y a vraiment, elle te donne du pouvoir, vraiment... mais dès que tu utilises son pouvoir, en fait, ça si tu devrais serrer un jet de sagesse, donc tu deviens hystérique. Tu peux en gros restaurer deux key points. J'ai une action qui te permet de récupérer deux key points et tu peux claquer Shatter. On le marave. Shatter, je peux le lancer. C'est une seule fois avec les spells comme ça, c'est ça? Bah oui, ça te fait un slot gratos. Attends, je cherche mon tonneau et je lui jette mon tonneau. Ouais, non, mais c'est bien parce que Shatter, je l'ai déjà, donc comme ça au moins ça permet de. Ouais, non, on va peut-être attendre qu'il soit pas dans la lave parce que. Mais il sera jamais pas dans la lave. Mais si, que ça. Si tu viens ici, il arrivera vers nous, non? C'est ça, moi je pense qu'il faudrait qu'on. Je jette mon tonneau, 3, 2, 1, partez! Mais non, mais là il est dans la lave, le gars, on va pas le taper là. Bah voilà, maintenant ça a commencé.
Bah, moi je suis pas en combat alors je vais rester là comme ça. Ça va être bien. Ah, mais là, regardez, il s'est déjà pris 20 points de dégâts. Attention, par contre, attention. Ouah, fonce pas. Ouah, c'est une souhait. Ah, d'accord. D'accord. Bon, bah, ça pour la gueule. Bah, ça s'est fait du coup. Fallait le dire si on servait à rien en fait. Hein. Ah, bah, voilà, je sais. La prochaine fois. Attends, y'a de la fumée électrisée là, c'est bon. Bon, t'inquiète, ça va rien de toi. Ah oui, pas dans la vie. C'est tout ce qu'on peut choper par là, vers un autre. Ah ah ah, pour une fois, c'est moi qui ai looté. Allez, des squelettes. Alors, par là, tiens. Une perle, une héliotrope, une malachite. Et normalement, on avait récupéré un autre truc, il y avait 4 items sur lui. Bon, j'arrive pas à le trouver le 4ème, ça devait être un. Y avait quoi? Il y avait une agate. Ouais, bah ça a dû partir directement dans ma bourse d'alchimiste. J'ai trouvé une hallebarde. Hallebarde directement. Ah ouais, il y a des trucs à loot ici pour dans tes bourses, oula. Hallebarde de Mérégon. Ah oui, c'est... Bah ça se vend. Bah j'en... Oula, ouais, je suppose que t'en as pas besoin. Caméra qui... Ah mais t'es parti toi de l'autre côté, t'as récupéré un truc? Bah oui, je vous ai dit, il y a deux squelettes là. D'accord. Et attends, ah bah oui, celle-là, oui, il y en avait une effectivement. Bah attends, je vais aller chercher la deuxième. Alors, j'espère que je peux mourir. Salut. Bah tu mourras. Ouais. Parce qu'il y a des zones ici où... oui, merci. Merci. Et hop là. En gros, même si le pathfinding, ça te... normalement ça t'évite les zones de dégâts, tu peux te retrouver... Moi ici, je suis déjà mort plusieurs fois tout seul. Parce que bah, j'ai marché dedans, sans le vouloir. C'est quoi cette hallebarde que tu viens de choper là? Hallebarde de Mérégon. C'est une hallebarde plus 1. C'est ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, ça se vend. Hein. Ouais, bon. Ouais, c'est ce que je dis. Total. Bon, on a l'air d'avoir fait le tour de la zone. Hein. En même temps, au bout d'un moment, il serait peut-être temps de quitter l'acte 1, quoi. J'ai envie de dire. C'est vrai qu'on y a passé un petit peu de temps. Ah, on pourra pas dire qu'on n'a pas visité. Ah ça. Alors, en même temps, le jeu est fait. Je suis très déçu de ce combat. Hein. Vous pouvez pas imaginer. Hein. Genre, ouais, moi aussi. Hein. Moi, vous m'aviez hypé. Il y a un élémentaire de feu et tout. J'avais complètement zappé. Mais c'est l'autre. Il a fait un 62 dégâts. Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Oui, j'avais oublié que quand je mouillais un adversaire, ça le rendait vulnérable aux dégâts d'éclair. Et vu que j'ai mis un dégât d'éclair à max, bah, je sais pas, voilà quoi. Alors, est-ce qu'on se TP au Tréfonds Obscur Malforge et qu'on reprend le bateau? Est-ce qu'on doit rendre un truc au souverain des Myconides? Mais on peut directement aller dans la colonie des Myconides, regarde. Ah oui, c'est vrai. Myconides, colonie. Colonie des Myconides. Attends, mais... Ah oui, non, c'est... Ok, j'ai rien dit. On avait visité toute la forge, là. Bah après, faudra... En fait, c'est juste le dernier truc qu'il faudra qu'on fasse, c'est... ici, il y a un ascenseur qu'il faut qu'on prenne, mais je pense que c'est pour la suite. Oui, non, c'est la suite ça. Et après, il n'y avait pas un autre truc sur la première carte où... Si, mais il y a plein de quêtes à... Ah mais non, hey, le druide, Alcine, il faut qu'on aille reparler aux gens du camp. Oui, c'est ça, ouais. Il faut d'abord qu'on fasse le tour, il faut qu'on boucle quoi. Bon, je vais parler au souverain, parce qu'il faut que je rende la tête. Vas-y. Ouais. La tête de Néré, c'est ça? C'est ça. Et il y a aussi l'arme avec l'écorce dessus sur. Oui, ça, il faut ranger l'arme. Je vais rapporter. Tout le monde voit le dialogue? Yes. Oui. Paf. Avec la bouche qui brinque mal. C'est drôlement bien fait. Il est une carie sur la 11. In dealing death. You have brought this circle life, and thus we name you Life Chanter. C'est chanteur. Ouais, ou c'est tout le monde à donner. Chanteur de vie. Allez, la boîte de nuit. 3 salles, 3 ambiances. Donnez-moi des sports, tout le monde aime le LSD. Ah, c'est un peu ça là. C'est la croix dans la caverne. Le matin, si tu te réveilles face à ça, bon. Nettement mieux cette barbe. Ah bah je trouve que c'est justement y a moins de flou. Amulette, voix du cercle, action de classe.
T'as gagné quoi là? Bah une amulette, mais qu'est-ce qu'elle fait l'amulette? Visiblement on peut communiquer télépathiquement entre nous. Waouh. Wow. Alors, voix de cercle, action de classe, confère à un allié un bonus de plus 2 au test de persuasion pendant 10 tours. Ah, dis-le. Pas mal. Not bad. Ah, si on trouve une autre petite bourse la partage, je veux bien la récupérer parce que c'est un peu le bazar dans les... Ah là, oui, il fallait que je mette un truc comme ça aussi. Y a de la mais musique. Regardez les danser là, ils sont vraiment en mode... Pump it up, quoi. Grosse rave party quoi. Bon, il nous reste quoi? C'est un peu ça. Faut aller parler à Zevlor, mais ça c'est au camp. Et à forger une arme. Mais ça, forger une arme, c'était. Dans le village. Des... Ouais, village dévasté. Allez, tout le monde au village dévasté. Tu veux pas voir des objets qui est dans mon sac à la. Non, les vendre, tu peux le faire toi-même. C'est si tu veux acheter des trucs, faut m'appeler moi. Ah bah alors, je vais regarder si je. Je vais les vendre à l'autre gars, le Blurg. Blurg! S'il a des sous, tu peux aussi lui filer des parchemins. Oh, y'a un doigt de géant. Y'a un doigt de géant, faut récupérer le doigt de géant. Oh. Ouais, ah, il est chez le vendeur. Ouais, chez la dwarf. Et bah Katox ira le chercher pour moins cher. Ouais, parce que là il me coûte 117 balles le doigt de géant. Ça va, 117 balles. Bah, je vends toutes mes merdes là. J'ai un arc qui, s'il touche l'adversaire, il peut le rendre effrayé. Est-ce que quelqu'un qui est bon avec les arcs courts Moi, techniquement, je suis bon avec les arcs courts, je crois. Ok. Et ouais, un arc court. Ouais, un arc court. C'est un plus 1 ou pas? Ouais, plus 1. Parce que moi, j'ai déjà une arbalète enchantement de l'arme plus 1. Bah, moi, pareil. Et en plus, ça te permet de gagner plus 1 des 4 d'attaque et de dommage sur la cible effrayée. Sur les cibles effrayées. C'est tout sur toi ou c'est chez le marchand? Non, il est sur moi, donc c'est pour ça. Attends, mais c'est pour ça, je vais regarder où il est. Qu'est-ce qu'il fait, Bow of the Banshee, c'est ça? Ouais. J'ai aussi un qui fait Thunder Wave si jamais. Bon, écoute, pourquoi pas, hein, moi je veux bien. Ah! Ce serait excessivement dangereux. Oui, pourquoi pas. Sauf si tu le veux, Arda, comme tu préfères. Non, c'est bon, moi j'ai une arbalète. J'ai un coffre de poche. Si tu veux bien, du coup, une merde. Et je te file une crossbow. Je te file ma crossbow. Ah, voilà. Moi, j'ai déjà une arbalète lourde. Oui, mais c'est pour que tu la vendes. Bah, vas-y, on voit. Mais Katox, il a quasiment 5000 balles sur lui. Ah, écoute, c'est notre banque. Heureusement que ça pèse 0, hein, parce que sinon, on serait. Ouais, sinon, je serais vraiment dans la merde. Ce qui est marrant, c'est que moi j'ai juste 5 gold sur moi. La carte, on s'en fout, le bouclier. Bon, je vais garder les trucs qu'on peut refiler à Gale, comme ça on se nous fera une petite réserve. Je vais garder, il faut des avec. Ah, mais attends, t'es chez le marchand là. Est-ce qu'il reste des sous à Blurg? Attends, je vais te filer. Ah, il reste 1000. Conneries avant. Il reste 1660 au marchand, donc je peux y aller. J'aimerais bien lui vendre quelques parchots que j'ai déjà appris. Ah bah t'as raison. Attends, s'il y a des pare-chauds intéressants, ça peut être pas mal qu'on en prenne aussi, je pense. Non. Alors j'ai un pare-chaud. Tiens, je te libère Blurg. Tiens, moi je te libère Iron Ball. J'ai envie de dire. Oh mais putain, merde. Avant. Tu l'as mis sur... Je peux plus les placer, espèce de. C'est la foutue. Je suis ravi de t'avoir donné des choses. Qu'est-ce qui vous est arrivé tous les deux? Ah, il a eu des... Je viens de vider mon coffre dans son inventaire. Bah t'as dit que t'étais chez le marchand. Ouais, si tu me permets de l'exprimer comme ça, je pense qu'il s'est vidé dans Domaine Mire. Ah bah exactement ce qui s'est passé. Je me sens souillé, hein. Vraiment. On a fait une émission. Et en plus, juste après ça, il s'est plus parlé. Marchez. Avant que j'aille vendre tous mes parchemins, regardez ce que j'ai et prenez ce qui vous intéresse. D'accord. Est-ce que t'as du Misty Step? Alors il y a un Fly c'est pas mal. Dimension Door c'est pas mal aussi. Moi je veux bien prendre un Dimension Door. T'en prends qu'un seul parce que y en a un que je veux apprendre moi-même. Fais-en, ce serait cool. Allez, hop, Dimension Door, c'est pris. Glyph World, Attends, est-ce que tu peux séparer ceux que t'as pas appris et ceux que t'as appris? Mais tu veux que je te donne de la thune pour que tu les apprennes? Ils sont plus bas. Mais prends de la thune chez moi et apprends-les, comme ça au moins on se casse pas le cul. Mais il a pas le niveau. Je crois que c'est ça, hein. Le scroll d'armure, j'ai pas le niveau. Le scroll d'armure, garde-le, ça par contre c'est bien. Hein. Oui, mais je l'ai déjà, moi, le sort en question. Moi, le scroll d'armure, il s'appelle Not Found.
Oui, après, ouais, après les scrolls, l'avantage, hein, c'est que t'as, ça, tu claques pas de... Ouais, ça te permet de garder un spell slot level 1, et ça c'est bête, mais franchement l'armure, ça te fait quand même gagner pas mal d'AC. Hein. Ça, oui. Et moi j'avais dit quoi, ça bah après moi, ouais, je veux bien... Il y avait pas Fly? Quelqu'un a pris Fly, finalement? Ah, j'ai pris. Non, moi j'ai juste pris le Glyph Ward. Ah, j'ai pris t'avais Fly, mais... Ah, t'as tu l'as pris, ok. Ah non, en fait, je peux te refiler parce que je l'ai en sort, mais... Mais ah non, bah garde-le, t'inquiète. J'ai dit, moi, de toute façon, je préfère me TP. Ardat, t'as filé l'armure à vendre à Katox? Hein? L'armure de justicière. Ah non, t'en avais un aussi d'exemplaire. Qu'est-ce qui est cool? De quoi vous parlez? Non, t'as une armure de justicière noire. Mais c'est vrai que je crois qu'on en avait looté deux, c'était l'armure verte qu'il y a dans ton sac. Voilà, ça va bien se passer. Je vois pas de quoi tu parles. C'est une armure. Oui, j'ai pas d'armure dans mon inventaire. Katox, je parlais Katox. Ah, parce que t'as pas dit Katox au départ. Ah d'accord, excusez-moi. Ouais, mais c'est de l'armure intermédiaire, ça. Oui. Je pourrais quasiment la vendre parce que personne n'en aura jamais besoin. Arda, tu peux porter un bouclier avec ton bâton? Non. Bah normalement si. Ah non, t'es pas milicien. Oui. Non, mais nous on est vraiment nuls, hein, tu sais. On ne peut vraiment rien mettre. Alors par contre, je te prends ton arc du coup, hein, Oui, vas-y, oui, j'ai déloqué mon inventaire, je sais pas pourquoi. Bah oui, c'était au début quand on arrêtait pas de faire les idiots à... Les idiots à se piquer des trucs. Je peux lui piquer tout son thune. Non, bah, vas-y, hein, tiens, prends mon thune, hein. C'est vrai qu'on commence à prendre pas mal de thune. Moi j'ai pas besoin d'autres trucs. Pour moi, tu peux. En vrai, il y a des parchemins. Il faudrait que tu les gardes, je pense, parce que tu vois, typiquement, l'éclair de. Merci pour le truc de voleur. C'est un éclair, ouais, je suis d'accord. Même dans l'absolu, je pense que la plupart peuvent rester utiles. Tu vois, si c'est des sorts que tu peux utiliser à un moment donné, ça peut valoir le coup de les garder. On sait jamais. L'anneau de Thunderwave, ça intéresse quelqu'un ou je. Attends, qu'est-ce que j'ai comme anneau? C'est quoi Thunderwave? Tu peux me le montrer vite fait? Il est où? Il est dans son inventaire? Je te le mets dans ton sac. Non, t'inquiète, je suis en train de regarder. 2-16. Ouais, en vrai, why not, hein. Moi j'ai un anneau, je le mets et ça me donne plus 1d4 quand je suis déguisé. En train de te balader. Mais j'ai pas d'autre. Enfin, j'ai pas d'anneau bien pour me battre. Donc pourquoi pas, hein. Je te l'ai filé. Ah, c'est bien. Attends, c'est pas mal ça. Attends, quoi? J'ai mal lu. Ça fait quoi? Bon, bah j'ai gagné 52 balles. It's something. J'ai pas tout vendu. Vous m'avez dit non, mais attends, mais ça marche pas. Non, mais. Ah oui, c'est dommage. Ok, je viens de comprendre. C'est dommage qu'on ait pas la marque de l'absolu. Ah, y a pas mal de faire cramer la tronche. Non, mais c'est parce qu'il y a pas mal d'objets qui donnent des bonus quand tu l'as. Notamment l'anneau que tu viens de me filer. J'ai une amulette qui est dans le même cas, etc. Oui, alors un de dégâts de plus de dégâts. Ouais, mais des dommages de tonnerre, j'en ai quelques-uns. Enfin, tu vois, entre shatter, là, ça donne un spell aussi. C'est pas si mal. Ça. Weird Max, tu veux que je te fasse une potion de géant? Ah oui, vas-y. Il fait que t'achètes. Il y a une potion de géant et un ongle de géant des nuages. Les ongles de géant des nuages, ça me permettrait d'avoir des popos justement comme celle que j'utilise maintenant, mais au lieu d'avoir 21 de force, j'en aurais 27. Comment dire que. T'es meilleur parce que je dois choper des outils de désamorçage et des outils de voleur, si t'en as encore. Alors là, je suis en conversation avec mon amulette, donc je sais pas trop. Est-ce que tu peux mettre, si t'es pas en machin là, Mjolnir, tu peux mettre Guidance? T'es là. Normalement, je suis à côté de toi, je crois. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que tu l'as vu encore? Non, c'est j'essaye de comprendre de quoi ça cause. Je suis allé voir si je pouvais refaire les tests que j'avais échoué tout à l'heure et je pouvais, donc ça permet de savoir un peu de quoi ça parle. Donc il veut un élixir. Oh, une morgue. Il s'est passé quoi avec tes cheveux là? Ouais, c'est parce que je suis shapeshift. Ah d'accord, parce que là t'es moche. Bah ouais, mais ça me donne un D4 de plus alors, tu sais. Ouais, t'es vraiment moche.
petit 20. Donc le dodge en nuage se fait, et tu voulais quoi avec ça? La popo de l'élixir de géant des collines. Ah oui, il faut encore la trouver celle-là. Ouais. Tu m'as dit quoi? Je peux te la faire hein, si tu me files le... Bah là j'ai pris outils de voleur et désamorçage. Alors surtout plus désamorçage que outils de voleur. Outils de voleur j'en ai 60, alors bon, je pense qu'on devrait être tranquille. Je peux faire deux élixirs de force de géant des collines. Ah bah, après le désamorçage, mettons-nous d'accord, il m'en reste 30. Hein. Bon, pas forcément besoin non plus. Hop, je vais revendre quelques merdes tant que j'y suis. Après, je t'ai filé ma thune, hein, donc là t'as 10 KPO sur toi, tu peux acheter des trucs, je pense. Ouais, bah, soyons raisonnables. Après, les potions pour parler les animaux, sachant que tu peux balancer le sort, peut-être que tu peux les vendre aussi, hein, t'en as peut-être pas forcément besoin parce que 204 PO là. Ouais, mais d'un autre côté, parfois ça m'économise un sort quoi. Mais c'est un rituel. Pas pour lui. Pas pour moi. Ah ouais? Ah, ouais, c'est un de mes sorts. Ok. Ah, c'est pas des rituels pour tout le monde ce truc là. Non, ouais, bah, tu peux le choisir en rituel, hein, mais d'ailleurs c'est tier strat parce que du coup ça te libère un spell slot quoi. Tout ce qui est poison, on n'utilisera jamais, on est bien d'accord? Bah, de temps en temps, ça peut être sympa. Mais... Ok, je les ai tous vendus du coup. Ouais, bon. Ouais, non, mais ceux qui mettent des états, tu vois, genre les poisons de draw, moi franchement, je trouve qu'ils sont bien pétés. Hein, ils servent pas mal parce que ça permet d'endormir les cibles et après tu leur mets des coups dans la gueule. Non, bon, tout ce qui est vert, je garde, ça c'est clair. Ah, okay. Mais tout ce qui est vraiment le poison simple. Oui, bah, c'est la même. Est-ce qu'il y a des potions? Il vend des potions, le gars, ou pas? Des potions de kit, là. Tu sais, les potions qui te donnent des actions, là. Ah. Non, il a pas ça. D'ailleurs, Arda, si tu peux en crafter, on est jamais contre. Tu veux que je crafte quoi? Tu sais, les potions qui te donnent des actions, là. Je sais plus comment elles s'appellent. La potion de vitesse? Ouais. Ah ouais, les potions de vitesse, ça, c'est le feu. Hein. Donc, ça part comme des petits pains, ces petits trucs. Ouais, les oreilles de gnoll et tout, faut en acheter un. Ça, c'est magique. En plus, ça double la distance de mouvement. Donc, bah, c'est un peu l'idée, ouais. Ça, bon. Et puis. Après, là, j'ai vu que j'avais des grenades. Arda, tu peux récupérer le doigt de genre de montagne chez moi et lui garde la potion. Yes! Enfin, l'élixir. Let's go! Alors, l'élixir de géant, j'envoie ça à Mimir ensuite. Hop. Où est-ce qu'il y a tellement de bazar, vos inventaires, je sais pas comment faire. Ah, c'est pour ça que je fous tout dans ma. Ceux qui sont vraiment intéressants, je les fous dans ma petite barre. Il est caché où le doigt de géant? Dans le fond de mon inventaire. Ah, d'accord, même pas. Ah, mais attends, mais t'as un sac d'aventurier dans lequel il y a un sac d'aventurier? C'est ça qui se passe? Ouais. Sacception. Ouais. Je le trouve pas là ton. Ah si, doigt de géant des. Hop. Hop. Et du coup, vous m'aviez dit que vous vouliez des potions de. Alors, il lui faut des élixirs de géant là. Et si tu peux crafter des potions de speed, je suis pas contre parce que j'en ai plus. Non, potion de vitesse? Ouais. Je peux pas. Des oreilles de yen. Oreilles de yen. Et bah, tant pis. Je vais voir si j'ai qui là-bas. Je vais ranger un peu mon inventaire, moi, parce que c'est un peu le bordel. Et après, consomme-les pas comme un toto à tous les combos bah, aussi. Alors, je vais être plus économe. C'est vrai que dernièrement, moi, ça partait un peu à tout bout de champ. J'y vais avec parcimonie, sauf qu'après, bah, on voit un mec qui arrive, qui met des coups de poing dans tous les sens, et puis il n'y a plus de combat, et toi, t'es là. Ouais, mais c'était rigolo. On a fini? Ouais, moi j'ai fini. On va au village dévasté. Fallait récupérer l'écorce, je sais pas qui l'a récupéré, je sais même pas où elle est. Normalement. Attends, je vais regarder si je l'ai. Peut-être qu'on peut directement la prendre. Peut-être qu'on peut directement la prendre du camp si elle est dans le camp. Est-ce qu'il fallait discuter avec qui là? Bah, il y avait un truc, une forge avec pour une arme à améliorer. Ouais, parce que. Ah putain, il fallait une greatsword, merde. Je crois que j'en ai vendu une. Attends, tu veux que j'en achète une et je suis chez le marchand là.
Non, parce que là j'ai juste envie de récupérer une, parce que si on l'achète, ça va nous coûter plus cher. Ah. Ça, c'est, par contre, cette quête qui se joue en long shot, c'est quand même pas mal, parce que là on revient au tout début, quoi. Ouais. Oh merde. Selon le time code. Selon le time code, ça fait il y a plus ou moins 20 heures. Il y a plus ou moins 20 heures de jeu qu'on est tombé sur cette quête. Je sais pas de quoi vous parlez. T'inquiète, moi non plus. Mais si, tu te rappelles, il y avait un truc là avec une cove, avec un... Il est pas avec nous, donc là, il peut pas savoir. En fait, je sais même pas où vous êtes. Si tu veux tout savoir, je vous cherche, mais je ne sais pas où vous êtes. On est dans la cave... Nous sommes au camp, au village dévasté. Nous sommes dans la cave. Putain, j'ai plus de thunes donc je peux pas acheter les PV. Attends, tu veux que je te lance? Je t'enfile. Il me faut 200 PO. Ouais, oh, bah écoute. Vous êtes au visage dévasté dans la cave. Et c'est quoi le nom du DP, genre? Village dévasté. Lighted Village. Bah ouais, mais j'y suis, mais. Ah, et vous êtes descendu là? Ouais, il faut aller dans la grange. Enfin, je sors. Du DP. Ok, merci. Je te fais coucou. C'est gentil, parce que clairement. Sur votre droite, t'as voulu garder ton jeu en anglais, tu te démerdes, mon coco. J'étais au bon TP, mais juste je savais pas où fallait aller après en fait. Ah bah, t'avais le petit point d'intérêt. Hein. T'avais le point d'intérêt. Écoute, on n'a pas tous les mêmes facilités dans la vie. Voilà. Non, et moi clairement, j'ai pas tout gagné. Alors attends, vas-y, je te C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, comme on dit. Exactement. À part, je t'ai filé une épée à deux mains. Ou par chez nous en Belgique, on dit il a pas toutes les frites dans le même sachet. Quel enfer! Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Comment ça marche? Faut activer la forge et tu mets. Ah, moi j'active la forge, ça je sais faire. Faut activer au bon moment. Par contre, il faut mettre un truc, faut combiner avec quelque chose. Laisse Weird Mike le faire. Ah voilà, c'est fait, j'active la forge. Plus, moi. Là, il faut mettre l'écorce dedans. Pourquoi j'ai une épée à deux mains? Parce que je t'ai filé l'épée à deux mains, mais en fait, je crois qu'il faut mettre l'écorce et l'épée à la place du feu. Tu fais flou flou et c'est bon. Mais l'écorce, est-ce que j'ai l'écorce moi? Ouais, l'écorce. Attends, mais on l'avait déjà faite. Ah, ça me dit quelque chose, hein. L'écorce, ben non, sinon on n'aurait pas. On avait cassé un truc. Non, il a forgé une arme. Il y avait un truc avec l'écorce, mais qui a l'écorce? J'espère que c'est pas un truc qu'on a vendu. Oups. Attends, je vais regarder si c'est pas dans mes. Bah, si t'as une épée dessus sur eux, c'était celle-là. En gros, elle silence quand tu fous un coup dans la gueule d'un ennemi. Et c'est ça qui est cool, c'est que si jamais tu galopes sur un caster, bah paf! Attends, je vais voir si je l'ai pas mis au camp par hasard. Je vois même pas de quelle quête vous parlez en fait. Ah, devant la forge, en gros, on avait récupéré un patron d'armes. Qui a expliqué que si on avait de l'écorce de Susuro, tu pouvais construire, je sais plus, il y avait une serpette, une arme à deux mains, une épée longue, et je sais plus quelle autre arme. Et en gros, quand tu craftais ça avec tu mettais une arme de base avec l'écorce, dans cette forge-là, bah paf, ça te faisait un objet qui gagnait un plus. Pourquoi on met une épée à deux mains? Bah, si tu veux, on peut mettre une épée longue, mais c'est juste que moi je ferais plus de dégâts si jamais je m'en sers. Ou alors l'épée longue, je sais pas s'il peut non, s'en c'est, servir. Non, c'est plus que l'épée à deux mains, il y a que toi qui peux s'en servir. C'est tout ce que je dis. Bah, après, si tu veux, on fait une épée longue. Hein. Y a pas de... Ah, non. Moi, je pense de toute façon, j'équiperai jamais d'épée, donc en vrai, je m'en fous, mais. C'est pas mal ça sur une arme à distance? On ne peut pas mettre une arme à distance. Ah non, ce serait trop bien. Je trouve même plus. Et bah, c'était bien cette quête, hein. Allez, allons ailleurs. Mais je sais plus. Mais surtout que moi je la trouve pas dans le journal de quête. Si, la quête elle s'appelle. C'est dans. Terminer l'arme dans de la maître. Région. Ouais, c'est ça. C'est dans la région des Nautiloïdes là. Et crash Nautiloïdes. Ah, effectivement, ouais. Nous avons l'écorce de Sulfuro, il ne reste plus qu'à retourner à la forge. Mais par contre, ça me stresse parce qu'on a une quantité de quêtes. Oh, encore la somme. Bon, moi je trouve pas d'écorce, donc c'est peut-être pas moi qui l'ai. Hein. Je regarde toutes les arbres que je me trimballe. Non, j'ai l'épée de Jorgal. Faudrait vraiment qu'ils essaient de mettre un truc pour organiser ce genre d'objet de quête. Genre, il est là l'objet de quête, le vends pas, mec.
Ouais, et ça par contre, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Ouais, et c'est... dans un de tes sacs sinon, je sais pas. J'ai checké. J'ai enlevé le bouton pour cacher les cartes. Moi, dans mon inventaire, j'ai fait une recherche sur écho pour écorce et je n'ai que des sels d'écorce. Ouais, moi j'ai. Non, ça c'est pour faire des potions de bark skin là, enfin de peau d'écorce. Ouais, j'ai rien de tout ça, alors soit je l'ai vendu, soit tant pis. Bon, bah tant pis, parce que de toute façon, l'arme, on sait même pas qui la prendrait. Bah, ce serait forcément weird, mais. Moi, ouais, je crois que je l'ai pas non plus. Bon, bah fuck it, peut-être que t'en retrouveras, c'est parfait. Il nous reste quoi comme quête à faire? Il faut qu'on aille au campement pour dire. C'était une quête, c'était tout. C'était l'écorce de Susuro. C'était une épée qui silence les gens, mais quand tu la craftes. Faut aller au. Bah, attends, j'allais checker, peut-être que. Faut aller au campement là, des druides là, pour qu'on fasse la fête. Bah, allez-y, je vous rejoins. Voilà. C'est maintenant qu'on a sauvé Alcim là, il faut qu'on aille causer à Zevlor. Au campement au début là. Allez, bon, on va retourner au campement du début là. Piquez-moi, j'ai ça. Bah, je suis. C'est tout ce qu'il nous reste à faire, je crois. On va au camp. Et puis merde, c'est pas ce camp là. Environ du bosquet d'émeraude. Ça doit être ça, non? Ah, il est là, Jackie. Bah attends, je vais rester là, comme ça je monte pas. Je vais rester à côté de toi, comme ça je vais pas lancer la cinématique. C'est tout à fait. Mon idée. Enfin, si mon personnage daigne arriver. Bah, et là il est bloqué dans la porte, hein. C'est une fois par short rest l'anneau que tu m'as filé, mais merde, c'est stylé, hein. Ouais, c'est pour ça, moi je. Bon. Et c'est pareil, l'amulette qui cause là, c'est une fois par short rest aussi, quoi. Ah bon, c'était pas écrit le long rest? Non, c'est par short rest. Bon, lui, les nains. Ah bah ouais. J'arrive, Marc, c'est cheaté. Vous êtes chez qui là? Chez les. Zevlor, il est là. Au village du Twib. J'arrive. Zevlor, il est là tout au-dessus. Mais je vais lui. Enfin. Je lui causerai moi, vu que. C'est moi la perception. Je suis le charisme. Bon, j'y vais. Vas-y. Oui. Ouais, mais c'était pas le mec qui était hyper énervé quand il est arrivé. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Allons-y tout de suite. Eh oui. C'était pas le truc qu'on a fait, on fait juste un petit détour et genre 5 épisodes plus loin. Peut-être même plus. Ça, ouais. Le mec, tu dis, ouais, on vous attend, hein, y a pas de problème. Tu sais, dans cette tête, c'est 5 minutes et nous, c'est 4 jours. Ouais, c'est ça. On en a pour 15 minutes. 2 mois plus tard. 5 longs repos plus tard. Mais surtout, ça fait une... qu'est-ce qu'ils foutent? Ça fait une petite semaine, quoi. Là, on se la colle toute la soirée, c'est ça. Oula! Mais ils sont bien. Attends, mais ça veut dire que là, on va faire encore un long rest? Oh, quelle arnaque. Ah, let's go. Les bons élixirs bien gâchés, là. Oui, c'est exactement ça. Qui c'est, ça, la crissa? Ah, elle est rigolote, elle. En fait, y'a personne à qui parler, on s'en fout. Regarde, fais pas pour la musique. Vas-y, fais de l'argent, vas-y. Chante. Il a raté sa représentation. Mais comment j'ai fait pour rater ça? J'ai combien en représentation? Bon bah moi je vais causer à Hornbroker. Bon, vas-y, j'ai plus 10. Elle a quoi sur la main? Your words, not mine. But not what I mean. Oh, boy. I mean desperate people. Like those refugees. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Odd.
Et leur cibou derrière. That's more easily said by some than others. But nobody's here to debate right from wrong. Shadowheart trails off and glances around at the party. She turns back to you, mildly surprised you're still there. I thought you might have wanted to mingle with the others. Elle a l'air un peu froide. Hein. Allez, il y a moyen de l'air plus classe. I won't pretend I'm not surprised. We haven't always seen eye to eye, after all. Besides, ouais, faire, devrait dire ça à moi. Est-ce qu'il manque un œil? Maybe you would, but I'm not cruel enough to get your hopes up, in spite of what some might believe. Oh! Là, je vais me faire recaler. Ah, c'est plus un râteau là, c'est une pelle, ouais, c'est ça, ferme. Moi, quoi. Bon bah moi je me casse. Hein, ah mais attends. Oh, you do you? I'm not some dewy-eyed tiefling maiden you just saved. You'll need to do a lot more legwork before I commit to any hip work. Alors, en anglais, ouais. C'est vachement bien dit. Ouais. Non, c'est, j'aime beaucoup le. Je trouve que la traduction ne donne pas honneur à ce qu'on vient d'entendre en anglais, quoi. Est-ce que vous avez le texte en français, mais les paroles sont en anglais? Ouais. Oui. Ah. Y a pas de. Attends, t'imagines. Y a pas de trad. Putain, bah, t'imagines le doublage? Et t'imagines surtout à quel point la qualité du jeu en prend un coup si tu fais ça. Ah, en plus. Franchement, t'imagines si tout était traduit en français? Moi, je joue en français. Hein. Si toutes les paroles étaient en français, je pense, j'accepterais. Attends, ouais, non, la première elle est pas mal en fait. Ah non, la première, c'est tu la recales toi aussi, quoi. Ah ouais, non, c'est un point d'interrogation. Non, c'est... Est-ce que c'est un nom définitif? Enfin, tu as le jour en anglais ou en français? Atémir est indécis. Tout faire pour Ken, hein. Pour le moment. Ah, mais dis donc, tu vas savoir, les filles. Oh là là. Some advice on how to make me more bearable. All right, if you like. I'm not half as mysterious as you might think. Respect my privacy, my beliefs. Keep us focused on finding a cure. If you do that, well, I see no reason why we shouldn't get closer. Now, enough about me. You should go see who'd like to spend the night with the savior of the grove. Ouais, moi, je vais aller parler avec Carla, qui est vachement plus avenante. Elle a aussi quelque chose à dire? Non, je sais pas, moi. Je vais parler avec tout le monde. Non, bah en broker, il y en avait un, une exclamation, c'est pour ça que je suis allé lui parler. Putain, mais Gail, il est encore dans la panade, là, regardez-le. À chaque fois qu'on vient, t'as l'impression qu'il est en train de crever, quoi. Franchement, c'est vraiment le pire PNJ ever, quoi. Après, Astarion, c'est vraiment lui, je crois, que je déteste le plus. Ah, peut-être qu'il le mettra mort. Ah bah non, si on l'avait tué. On aurait eu des problèmes. Ah oh, vas-y, ouais. Je peux faire du grog à Karlax si jamais. Allez, ouais. Let's go. Je crois que j'ai trouvé le courage de vous dire à quel point je vous aime. Je vous apprécie. Oh, c'est bien. Allez, je lui dis, let's go. Come on. Let's not spoil an effective thing. C'est tout chou. Comment elle va réagir? We win. Doesn't need to be more complicated than that. Moi aussi, je viens de me faire ratifier là. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, let's go, bah, viens, on va se rendre sur nos bêtises. C'est vrai, parce que je suis un. C'est vrai que là. Bon, on barre. Mais recale par tout le monde, quoi. Attends, il y a un bruit pour ça. Il y a un bruit pour ça. Vous ne pouvez pas utiliser le doublage rapide pour le moment. Oh. Mais non, il faut dormir. Il faut aller go to bed si on veut aller se coucher. Oh, je t'avais des élixirs de résistance. Bah ouais, oui, ouais. C'est ballot, hein. Bon bah dodo. Bon bah dodo. Ah, cet élixir de géant, ma foi, bien utilisé. Bah ça, je veux bien le croire, ouais. Oh, ouais, je ronfle. Tout ça pour ça. I trust you enjoyed your evening.
Content ou pas un peu là? Je reprends un élixir de. C'est... Alors cette fois, est-ce que. Bah, sinon, je prends des chances before you're afforded another such night. There is much to be done. And I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous. Though it seems you're well accustomed to navigating danger. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a de périlleux? To get to the towers, you need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Cool, de l'XP. Non mais t'as parlé à qui eux? Eh, il venait me parler tout seul. You have to get to Moonrise, but you still have a choice of how to get there. Ah, parce que toi t'as gagné de l'XP, mais pas go overland. Along the risen road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined temple of Saluna. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketherick Thorm built a secret stronghold deep down there before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars? Must see for myself. Eh, pardon. Non, personne ne l'a vu. Bah, on y était. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketherick's forces could access both the Temple of Saluna and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the shadow curse. C'est déjà trouvé. Par contre, elle pique les yeux. Hein. Oh là là, j'avais pas fait gaffe. C'est déjà trouvé l'endroit. Chapeau, ouais. Je vous avoue que je suis à l'audio parce que bon, la gueule d'Alcide me sert bien 5 minutes quoi. Ouais, c'est pareil, j'ai pas accroché avec ce perso. You've already been impressive. You'll make me redundant at this rate. What did you find? Ah, j'aime bien. On n'a pas encore pris l'ascenseur, mais on sait déjà où ça va. Ouais, droit dans ton. Alors, pour le moment, il n'y a pas assez de place, mais je te promets, je te préviens quand c'est bon. Il travaille dessus, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Il est allé voir, il est allé voir Carla, je l'ai habillé derrière, mais manifestement, ça a bossé. Quoi. Ah bah, elle lui a fait un bon coup. Elle lui a fait un boulot là, petit carnage. Merci la résistance au feu. Bah, c'est ça, c'est. Sinon, j'ai vu un ça littéralement, tu te chopes un saut de piste. C'est un mec qui sort complètement enflammé d'une baraque et il y a marqué qu'on venait d'une nuit après avec carnage. Je veux dire, exactement ce que je cherche. Bon, bah, dans ce cas, allons-y. Dans ce cas, allons-y. C'est drôle parce que dans Sylvanus, t'as Sylve. Oh là là. Ah là là. Oh là là. Oh là 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 là. Ben, on retourne au mont de charge, on retourne de là où on était démarré, c'est-à-dire genre Tréfaux obscur. Malforge ancienne. Malforge, non? Malforge. Allez, Malforge. Et tout ça pour ça. Il y avait pas d'autres quêtes? On a gagné 75 XP. Attendez, mais par contre, on avait fini la zone là? Bah ouais. Attends, non, je crois qu'il y avait peut-être un dernier truc. Il me semble qu'il restait non, un. Non, je crois pas. Non, plus rien. Attends. Non, un truc pour aller à la passe. Si, c'est quoi ouais. Pour aller à la passe de la montagne là? Ouais, moi je compte Mountain Pass. Ouais, mais ça c'est la deuxième façon pour aller à Haute Lune. Ben je sais pas. Mais faut suivre quand il explique. Soit tu passes par là et tu passes en plein la médiction machin truc. Soit tu passes par les tréfonds et tu zappes une alors, partie. Alors, excusez. Là, moi, je vous conseille de passer par la passe des montagnes. Ah ouais? Ouais. Bon, bah du coup, on va... Sinon, vous allez skipper un morceau du jeu, donc... Quand des gobelins? Du coup, faut se téléporter où?
Faut se téléporter à la Woken Restaurant, au repos de Woken. 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 En plus, franchement, la zone est... Oui, faut vraiment y aller. Ah mais y'a le dragon et tout, y avait un dragon la dernière fois là. Ouais. On les a défoncés ceux-là, non? Mais trop pas... Non, on n'a pas tué le dragon. Attends, le dragon était genre à combien de PV? Genre 500, 900, je vais te calmer tout de suite. Mais non, mais c'est bon, on est tous bien reposés là, on a fait une bonne nuit, on a fait même deux. Ah bah viens, il y a des gens à taper. Wouah, il y a 400 PV et il y a des gars qui en ont 50 et tout 60. Ouais, 135, il y a un mec. Allez, level 12, allez, let's go, on y va. Par contre, attendez, s'il y a des mercenaires du pouvoir enflammé, moi je vous dis, je vais les looter. Hein. Je descends. Bon, ouais, s'il y a un dragon, est-ce que c'est pas le moment genre de prendre des trucs pour se protéger du feu? Niveau game design. Non mais pour l'instant ils sont pas méchants. Je pense franchement pas qu'on doive l'affronter maintenant. Ils sont pas méchants. Non mais on va pas les taper, on a une quête pour y aller. Moi je descends. Voilà. De toute façon c'est trop tard, j'ai cliqué, je descends. Bon bah moi je suis en cachet, hein. Bah moi aussi. Mais si tu leur parles, je t'écoute, hein. Bah j'y vais, hein. Allez. Bah let's go. Ah merde, tu vois, je voulais faire des sorts. Ah ils ont sorti leurs armes et tout. Voilà. These creatures are so simple to ensnare. Je peux pas sortir du dialogue. Too much about your task. Forgiveness, Kithrak. And as for you, tell me, why shouldn't I run you through this instant? Ah, ils nous ont tous TP en bas. Ah bah moi ça me va parce que j'étais encore en train de me... J'ai très envie de faire la 1 parce que j'ai 10 milliards de bonus, mais Ah non, bah c'est vrai que je suis pas le barbare, donc là j'ai pas d'intimidation. Ouais, ou la 1, c'est bien, hein. C'est ton personnage. Ah, c'est ça, hein. Pourquoi on est tous là? Ah ouais, mais la 1, c'est bien. Et la paf, Guidance. Ah, je vois pas. On peut pas Guidance? Ouais, non, je peux pas. Je vois pas ton dialogue. Bah écoutez, il fallait faire 15, j'ai fait 22. Oh, bah. Moi je dis ça passe. You make good use of silence. Too many think hot air will save them. If I have no use for you alive, I'll have your death slow and sweet. Understand? A vessel fell from the sky. We seek a precious weapon that was taken from it. I suddenly feel a strange anxiety take hold. Not your own. Ah, mais c'est vrai qu'on a l'artefact de Jocelyn là. Ah oui. Somehow. En plus, je crois qu'il est dans mon sac à bois, donc. Your mind to it. The artifact does not want to part from you. It does not want to fall into the Gith Raiders' hands. Les fonds mieux ses cheveux que les cheveux d'avant. Je préfère cela. Ouais, ok, on va le buter. T'es belle. Ah, merci. J'imagine pas, tu vois, pour la cinématique, tu vois, il y a l'un qui te caresse la jambe. Ah, t'es belle. T'as commencé à ne pas, en ne pas parlant, moi je continue à ne rien dire. What? Il parle voilà, tout seul et tu le regardes. Ou alors je lui file l'artefact et je dis rien. Mais je sais pas si. Je vais pas foutre la merde si tu lui donnes l'artefact. Le d'office il va te buter. Ouais, bon, alors, ouais c'est parfait, je l'ai maintenant, tuez-les. Oh. Baraka, rid us of this worm. I need to continue the hunt for the weapon. Beretta? Non, elle a un flingue. Alors, mais. Turn order, ça va se passer comment? Ah, il se barre avec son dragon. Oh bah c'est bon, s'ils partent avec le dragon, c'est ici, ils ont la bagarre. 2 PV. Ils ont 2 PV. Ils ont 2 PV les mobs. Non mais on est au cac et tout, mais let's go. Ah putain, par contre... Ah bah non, je suis pas en combat moi. Attends, bah 53 descend. PV, 32, 59... Mais vas-y, attends. Mais c'est de la gnognotte. Attends, je vais tous les mouiller. Oh ouais. Et après le thunder damage, ça fait du bonus là quand ils sont mouillés. Non, c'est électricité qui... Ah bah c'est bien dommage, j'ai pas de dommage électrique, mais vas-y. Ah oui, mais moi t'inquiète pas que je vais leur mettre... J'attends que tu fasses des trucs et Voilà, ils sont mouillés. Allez, Bougez pas, j'arrive. Ah bah moi je bouge pas, c'est à moi de faire des trucs, donc je ne fais rien tant que vous avez pas joué. Je peux quand même jouer. Par contre le gars tout seul ici là, je vais pas trop aller dessus quoi. Plus aller vers les autres, à moins que vous butiez les autres, je sais pas. Moi je les ai tous mouillés donc je vais leur mettre un petit sort là. J'ai juste peur. Attends, j'ai juste peur que Arda, si tu balances une boule de feu, ça enlève la flotte. Je veux pas leur balancer une boule de feu, mais j'ai pas de sort d'électricité autre que au corps à corps.
Bah t'as le t'as l'éclair mais mais ouais, mais j'ai pas envie de cacher le parchemin pour des trucs aussi faibles. Je comprends. Du coup Weird Mec, si tu veux les électrocuter, vas-y hein. Mais non, je veux pas là, c'est pas, je suis pas dans le turn order. Enfin, je suis dans le turn order et ce sera après. Donc là, j'ai claqué mon action, tu peux faire ce que tu veux. Bah, je peux jouer ? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ah ! Ouais, ça c'est fait déjà. Attends, je regarde si ça les... Non, ils sont vulnérables au froid et à l'électricité là. Au froid, hein, je ouais. Pourrais les... Oh, let's go, il a extrait. Je pourrais balancer un rayon de givre. Ah ouais, mais là, ça va... Ils vont prendre... Ah, je l'ai raté. Ça c'est embêtant. Du coup, c'est bah, ils sont toujours, non mais c'est, si ils sont toujours mouillés pendant 3 tours. Donc tout va bien tant qu'ils sont mouillés. Ce qui est bien, c'est que j'avais 94% de chance de réussir. Hein. Oui, bah malheureusement. Oui, bah toujours... voilà. La dame. C'est du scénarium. Considère ça comme du scénarium. J'ai mis ça. Moi aussi, c'est pas juste. Ouais, c'est bien. Ah non. Et on... Allez, il t'a tiré dessus parce que t'étais pas prêt. Je pense qu'ils sont tous aussi mauvais que nous. Le grand grave. Adotiste, tu sais, y'a tout le monde qui va se taper à côté. Oula, mais qu'est-ce que tu fais là, mec? Bah, il s'est baladé, hein. Ah, tous les coups, ils vont se péter la gueule en marchant sur la glace, ça serait du génie. Allez, vas-y, les coups. T'as vu, c'était sûr. On est des méchants, ouais. On met de la glace partout, Allez. Échec critique, des ratés, des machins, ben voilà. Putain, mais que... c'est un cirque ou c'est un combat là? Ah, mais ils sont deux à être. Non, mais c'est vraiment les guignols quoi. Mais attends, t'es pas encore passé sur la glace. Bon, on en parle dès que t'es dessus. Moi t'es... Mais en fait, vu que j'ai utilisé mon sort, je peux pas, donc bah voilà, let's go, allez, c'était mon tour. Hein. Ah oh. Oh oh. Ah. Oh. Counterspell. Le contre-sort qui part, let's go. Counterspell, j'aime bien le contre. J'ai pas voulu prendre de risque, tu vois. Ah, il a mis 6 pep. Oui, bah ouais. Bon. Voilà, okay. Attends. Quand ils sont mouillés, c'est quoi le principe? Ils ont qu'est-ce qu'ils aiment pas? Ils aiment froid et clair. Le froid et l'électricité, là, tu leur tapotes la tête et paf. Bon bah lui, adieu, hein. Allez, c'est fait. Elle est pas encore morte, il lui reste 3 PV. Ouais, mais je réfléchis avec quoi je la tape. Ça c'est quoi, 5 à 10? Tu veux pas la prendre pour la jeter sur l'autre? Oh, ce serait terrible. Bah tu la tues et tu... Je sais pas, je peux pas, elle est trop lourde. Ah mince. Ouais, comme tu... Dommage. Ouais, donc tu lâches la petite par terre. Un coup de talon dans la gorge, hop là. Ça attaque. Ouais, ça pareil, je peux taper encore. Le sang chauffe et fondre la glace. Je peux taper encore. Vas-y, ah non, il a encore un PV, ça me saoule. Bon, voilà, c'était bien. Hein. Il est trop bien cet élixir. C'est vraiment mon élixir préféré. Attends, ah oui, d'accord, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, bah j'ai tué quelqu'un, donc c'est parti. Tu te mets à taper comme pas deux, quoi. Bah, non. Le mec qui est sur toi, Katox, je peux m'en occuper, donc vu qu'il est mouillé, je vais... Ah, ouais, non, vas-y, tu peux le taper. Tu veux que je le bouscule? De toute façon, c'est le dernier, hein, c'est le seul gars qui reste, hein. Non, ouais, il y en a un deuxième au-dessus. Ah non, il y a... Attends, hein. Ah non, t'as le gars qui est là aussi. Ouais, et le mec devant toi, il a un PV, hein. Oui, non, mais bon, il a un PV, il va pouvoir se barrer, je vais lui mettre un coup d'attaque d'opportunité, là, tu vas voir. Le maraudeur Ghost, je pense que je peux lui mettre... Il tourne le dos. Bah, moi je vais lui taper dessus, je pense. Ah, ouais, peut-être que je vais engage le mec à l'arbre. Je sais pas, l'archer, vas-y, hein, c'est à que ça, occupe-toi de l'archer. L'archer, je m'en occupe, occupe-toi de l'autre là. Par contre, je crois qu'elle fait mal. Ah! Enfin, si elle touche. C'est exact. Ah, ouais, bah, fait deux dommages. Là, les choses sérieuses commencent. Voilà. Elle a attaqué combien de fois? Elle a attaqué 6 fois, quoi. Dixit, le mec qui fait une gatling dès le début du combat, quoi. Genre, moi je lance 2 flèches et puis c'est tout. Et lui, il se tape 6 fois. Il fait oh, c'est pas un peu abusé ça. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux remarquer que je les ai pas longtemps. J'ai hésité. Alors,
J'espère que je vais pas me stun la gueule. Ah non, c'est bon. Oh, bah voilà. Mais foutez-moi la paix, bordel! Il veut pas que tu joues, hein! Ouais, c'est ça, fou. Bon. Oh non, il est trop loin. J'en ai marre. Je vais rosper Paladin, moi. On est plein le cul. Allez, dégage. attendez, on recommence. Ah oui, voilà, c'est vieux. Ah bah super, let's go. Oh mince, j'aurais pu le Hunter Mark. Mais quand vous voulez, pour lui péter sa concentration. Bah j'ai essayé, mais... Vous savez quoi, je vais... Je voulais parler à mon amulette, je suis hyper déçu. Voilà, ça lui apprendra. On va looter. Alors, ça c'est pour Katox, c'est une machine. Ça c'est pour Katox. Oh, une potion de force de géant. Là, il y a des arbalètes. Voilà. Oh, attendez, j'ai récupéré un bidule. Là, il y a une flûte. Wow, ah. J'ai récupéré un... Bon, un pendentif, je sais pas si on peut appeler ça un pendentif. Non, mais pourquoi on a donné le truc avec de... qui nécessite de l'intelligence au nain? Ah bah, je sais pas, j'ai looté. Regarde, arcane. Vas-y, allez, je... attention. Attends, je commence à faire des incantations, tu vois. Je vois. Mais bon, bravo, je comprends. Ouais, je vois. Un homme tout vêtu de verre, exactement. Une grande créature avec un pagne. Ah ben j'ai vu la taille. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'astrolabe. Ah bah, t'as vu dans mon visage que je comprenais tout ce qui se passe. The slate also reveals the Githyanki's purpose. They are combing the Sword Coast in search of a polyhedric relic of great importance to their queen. On se demande bien qu'est-ce que ça peut être. Ouais, hein. Ah, attends, ça me parle pas. C'est ça le cercle. Mais il y avait des choses bien dans ce que vous avez looté, parce que clairement, moi, j'ai droppé de la merde. Oh, yes, j'ai trouvé une arbalète Githyanki. Hey, il y a une bourse là par terre. Ah, il y a eu deux flûtes. Oh, yes, je la veux. Il y a une bourse? Ah oui, là. Allez, parfait, let's go. Ah mais il y a Yul, vous l'avez pas looté. Alors, oh, il a une flûte. J'ai équipé instantanément. J'ai une potion d'invisibilité si vous le souhaitez. Si. Bah je te l'envoie à Temir. Paf. Du coup par où il faut qu'on passe? Par la... Je pense par la... Ouais, par le pont, ouais. Par le pont qui n'est pas fort. Par le col de montagne. Bah en fait par le seul endroit qui n'est pas genre dévasté par les flammes. Là, finalement. C'est une poste. Passer par le col de montagne. Ça va. Attends mais il y avait un... Ah oui non, j'ai rien dit. Ah. C'est d'accord. Oui. Et on va stopper l'épisode là parce qu'il est bien assez long. Ce sera un méga cliffhanger. On fait des bisous tout le monde. C'est parce bisous. Que c'est le bisous. Bisous.